Salut à toutes et salut à tous, c'est Fieux et bienvenue pour la suite de Jouons à Tales of Symphonia, voici l'épisode 37. Alors dans le dernier épisode, on a obtenu le zircon, on a obtenu la feuille de mana, donc au final il nous manque plus qu'un fragment de mana. Donc voilà, maintenant il faut qu'on aille à l'abbaye du sud-est pour retrouver la sœur de Zelos qui possède son cristal du Cruxis qui nous permet d'accéder à la tour du salut. I see that the Chosen is his usual self, wandering around aimlessly. Yo, Celeste! I need that Crucius crystal I left with you. Give it back to me. As you wish. After all, it rightfully belongs to the Chosen. Yep. Now, if your business here is done, I humbly request that you leave. All right. Guess I'm as unpopular as ever. Poor me. Wait, Big Bro. What is it, my darling little sister? Nothing. Oh, all right then. Please take care. He couldn't hear that, you know. I didn't say anything. So it doesn't matter if my big brother couldn't hear it. Aha! You called him Big Brother. No, I didn't. There's no way I'd have a brother like that. Now please leave. Well, what do you think? I'm well loved, aren't I? She's certainly not very friendly. Don't be too hard on her. She was sickly ever since she was a kid. But despite that, her mother... Ah, never mind. As you left, she said, please take care. Oh. Well, anyway. We're ready now, right? On to the Tower of Salvation. Yeah. Bon allez les amis, direction la Tour du Salut. Je sais pas si vous avez eu le temps de l'apercevoir pendant qu'on était en Pteroplanes. Je crois pas, mais enfin de toute façon elle ressemble d'extérieur, en tout cas elle ressemble beaucoup à la première. Hein. Après peut-être que... Oui voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, elle ressemble à la première. Enfin, vous en saurez un petit peu plus après. Alors voilà, elle est bien au centre de la carte, hein, donc c'est vraiment bien au milieu. Attention, on va faire le tour. Et voilà, soyez les bienvenus à la Tour du Salut. Ah bah on dirait vraiment le même style à peu près. Hein. Ouah, trop fort, Zelos va faire apparaître des escaliers. Waouh. Là, ça a de la gueule. Allez, c'est parti, on va plus loin maintenant. Go. Here reminds me of my journey to regenerate the world. But this time, we're here to cure your illness. I'm curious to see what the design of Tethayala's Tower of Salvation is like. Now, Zelos, open the door, quickly! You know, you can get really scary sometimes. Oh, yeah! Check me out! It's my time to shine! Do I look like a Chosen or what? Yeah. Let's get going. Roger. That's a very disturbing laugh. Zelos, is something wrong? What? You're even more... Even more obnoxious than usual? Nah, he's always like this. Just ignore him. She's pretty sharp. Such a sad place. Wait a minute. Is this really Tethayala? Yeah. It looks identical to Silveront's Tower of Salvation. My body... I can't stop shaking. This is the same place. It can't be. Lloyd, remember this? That's... Wait, I broke that.
The two worlds are connected here. Of course, it's the same place. Kratos, it's you again. Who are you really? Are you really one of Mythos's companions from 4,000 years ago? Good. Since you figured that out, it saves me the time to explain. We will take the Chosen as the new body for Martell. You're still trying to do that? Are you so intent on resurrecting Martell that you're willing to distort the entire world in the process? I have no need to explain. So in the end, you really are our enemy. I kept thinking, hoping that you might be good, but you're not. I should think that would be obvious at this point. Don't hold back this time! Bon allez, c'est reparti, cette fois-ci on doit encore une fois affronter Kratos. Bon, la dernière fois on avait réussi à le battre. Mais là, il est encore plus puissant qu'avant. Maintenant il a 50 000 points de vie. Attention, vite, faut utiliser attaque à l'unisson avant que le jugement ne frappe. Voilà, on a réussi. Attention. Ah, il a échappé à l'explosion, mais là, celle-là, il va pas y échapper. Fiery Beat! Alors là, faut faire vraiment attention. Il a les techniques de type F, les techniques de type T, il a vraiment tout, hein. Je préfère prévenir. Il a encore sa flamberge, il a encore son arrêt d'ovale, et maintenant il a sa tenue blanche, qui est assez stylée d'ailleurs, je trouve. C'est la tenue, bah, du Cruxis, quoi. Donc voilà, franchement, c'est stylé de l'avoir d'une autre couleur, quoi. Ah, mais franchement, il peut nous enchaîner directement comme ça, donc je vous conseille de faire quelques petits combos, hein, rien de bien méchant. Allez, maintenant c'est parti, je vais soigner Sheena. Oh là 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 là, mais ça va être plus dur que je le pensais, parce que faut pas oublier qu'il a les sorts, hein, c'est un peu le principe. Bon, fail, je me suis protégé au mauvais moment. Mais c'est pas grave. Et là, en fait, je suis en train de chercher une technique qui ferait une faille, en fait. Et j'ai pensé à Atlas, pourquoi? Parce qu'en fait, Atlas, ça va maintenir l'ennemi en l'air, donc ça va l'empêcher de se rétablir directement. Donc regardez. Ça, c'est une technique qui est vraiment pas mal. Oh là 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 là, mais faites attention s'il vous plaît. Je commence à en avoir marre là, ça fait deux fois que Zelos meurt sur une super lame foudroyante. Bon bah voilà, il y a Lloyd qui est mort aussi maintenant. Elle est vraiment dévastatrice cette technique, faudrait que je l'utilise plus souvent dans les prochaines vidéos. Allez, mais là, franchement, j'ai pas Reyna avec moi. C'est quand même assez dur quoi. Oh là 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 là, mais il m'enlève tout, sérieusement, je commence à en avoir marre. Oh là, indignation, ça c'est une bonne technique, mais malheureusement... Ouais, le problème c'est qu'il met du temps à venir. Hein. En attendant, je vais me soigner. Genis, il s'est mis à côté de moi, est-ce que je vais avoir le temps? Bon, maintenant, je vais pas avoir le temps, mais la bonne nouvelle, bah, c'est que Sheena peut faire une invocation, donc on va lui faire invoquer Shadow. Bah, parce que Kratos, c'est de l'élément de lumière, donc voilà, quoi, je pense qu'en invoquant Shadow, ça devrait aller. Bon, alors, t'attends quoi, la Sheena, là? Bon, bien sûr, elle prend pas de recul, hein... Allez, 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 allez. Bon, là, faut que j'arrête le sort à Genis, sinon elle va perdre son adrénaline. I summon it. Come on, Shadow. Je crois qu'il fait ça, hein. C'est juste ce qu'il fait. Il parle pas beaucoup, Shadow. Sheena l'a assez souligné, je pense. Mais franchement, voilà, quoi, en tant que boss, il fait hyper mal avec Jugement, quoi. Bon, le problème, surtout avec Jugement, c'est que c'est une technique aléatoire. On sait pas quand qu'est-ce que... l'éclair du jugement va nous toucher ou ne nous touchera pas, c'est vraiment aléatoire. Mais en général, quand vous lancez une technique comme jugement sur et que vous ciblez votre adversaire, qu'il n'y a qu'un seul adversaire, en général, il se prend au moins un rayon sur, deux rayons, voire trois. Donc voilà quoi, ça peut être intéressant. Et vous pouvez essayer avec Colette, ça marche. Hein. Et là, on a obtenu un petit bonus en invoquant Shadow. Mais ça fait quand même mal. Allez, lame de fond, ouais, bon, là, franchement, il a vraiment pas choisi le bon moment. Puisque Kratos était dans les airs. Et là, je rappelle que ici, vous êtes obligé de gagner, hein, vous pouvez pas perdre. Alors là, franchement, j'ai des super réflexes parce que je sais si le rayon du jugement va me toucher ou pas. Allez, attention, attention, attention. Thunderblade, yes. Je l'ai pas vu utiliser de sort de terre encore pour le moment. Je sais pas... Peut-être maintenant il se concentre sur jugement quoi. Parce que là c'est quoi, ça fait 2-3 fois qu'il est en jugement depuis le début du combat. Ah, il y a même plus assez de points de mana. J'avais oublié. Faudrait que je lui mette l'anneau féerique à Genis, ça réduit de moitié la consommation de PM. Voilà, maintenant on lui refait faire. Ah mais franchement, même le petit pas en arrière,
ça marche pas pour esquiver quoi, c'est vraiment à chier. Et même un gardien ça ferait mal quoi. Voilà, lame de fond. Bon, ça peut aller. Survie là, ne meurs pas, ne meurs pas. Allez, continuez, 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 je vous dis. Allez vite. Et merde. Bon, je fais quoi moi? Est-ce que je lance ou pas? Bon, attends. Mais je crois que je vais pas réussir justement, puisqu'il va reprendre ses esprits, mais. Ouais, voilà. Lame foudroyante, ça m'a calmé vite fait. Une lance démoniaque. Ça m'a calmé encore. Je crois que c'est Zelos qui est mort le plus de fois. Hein. Mais il lui reste plus que 2000 points de vie, donc c'est pas mal. À l'attaque! Non, 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 non. Moi, je veux que tous les membres de l'équipe soient encore vivants. Allez, 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 allez! Allez, on enchaîne. Il ne reste plus que 500 points. Qui va l'achever? Mais qui va l'achever? Je crois que c'est Génis, là. Épée lumineuse. Ah, vraiment avec tout le style qu'il faut, quoi. Bon, je vais essayer de soigner l'œil, mais en attendant. Ouh! Ça, ça fait mal. GMX niveau 4, vitamine. Yes! I would advise against resisting, for there will be no mercy this time. Are we still alive? Well, looks like we'll have our lives at least until they finish preparing Colette's treatment. Apparently she's useless the way she is now. Maybe we were tricked. He had us gather the materials to treat Colette. And then had us bring her here. Kratos used us? Did he betray us again? Lloyd. I feel guilty for letting this happen to Colette and the others. I really want to know why I keep getting captured and getting thrown into jail all the time. You sure you haven't been doing anything to deserve it? We should just be glad we have our lives. Well, yeah. Damn it! This thing's built solid as a rock! And I can't open the lock either! Same here. It won't budge at all. Can Colette or Perseo break it? Nope. I'm sorry I couldn't be of use. So we're completely trapped. Move. How did you do that? I originally specialized in fighting with my hands, not my feet. And since X-spheres amplify their users' abilities far above their maximum limits, this result is to be expected. Then why don't you just fight with your hands? I swore I would never fight with these hands again. This time, I used them in order to save you, Lloyd. You're going to unite the worlds and save Colette, right? Yeah, that's right. All right. Everybody grab what you can and let's get out of here. Bon, on vient d'apprendre un nouveau pouvoir de Régal. Bon, malheureusement, il pourra pas l'utiliser. Il dit qu'il ne se servira plus jamais de ses mains, mais c'est faux. Parce que la technique là qu'il vient de faire, elle est disponible sur la version PlayStation 2. Il me semble qu'il donne à peine un coup de main dessus. Je sais plus exactement c'est quoi le nom de la technique. Et après, il a une autre technique qui s'appelle Atsu. C'est en fait, Régal fait une sorte d'explosion avec une petite boule de feu. Et qui est une technique quand même assez puissante. Et justement, cette technique permet également de faire la technique ultime de Régal, qui est quand même pour moi la plus impressionnante de toutes les techniques, et surtout la plus acrobatique. Voilà. Bon, on demande à Colette de s'envoler, hein, il y a absolument... Bah si, justement, il y a un problème, on pourrait demander à Zelos, je suis sûr qu'il a des ailes aussi, et je suis sûr qu'elles sont plus belles que celles de Colette. Pourquoi est-ce que je dis ça? Non, j'en sais rien, c'est juste une simple supposition. Bon, il y a des blocs, petite énigme, bon, rien de bien méchant, mais n'empêche... Je rigole si Colette fait tomber un bloc sur la tête de Lloyd. Ah, ça, ce serait énorme. Ce serait vraiment digne de Colette, quoi. Bon, maintenant, vous allez emprunter le téléporteur. Et voilà, que vous serez les bienvenus dans la cité de Wel'Gaia. La cité sacrée. Et ouais, c'est une cité, hein. Il y a un magasin et tout. Bon, il n'y a pas d'auberge, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, soyez les bienvenus dans la cité de Wel'Gaia. Je vous conseille de bien chercher certaines choses. Bah, de toute façon, je vais vous montrer, hein, y a absolument aucun problème. Mais voilà, il y a certaines choses que vous pourrez pas avoir avant un certain temps. Ça vous saoulera de revenir ici, quoi. Donc, je préfère prévenir. Allez.
They're all angels. We're gonna get caught if we keep wandering around here. You're right. We'll pretend to be Colette's prisoners. She should be fine because she's an angel. Okay. Bon, officiellement, nous sommes des prisonniers de Colette, mais n'oubliez pas le but de notre mission, on cherche un fragment de mana. D'ailleurs, allez dans cette porte. Alors, c'est une porte avec des ascenseurs et des portes. Mais dans cette porte-là, en fait, il y a une arme maudite, quand même. Fallait la voir. Mais voilà, quoi. Donc, je me suis dit, on allait la prendre. Après, si ça vous dit, allez fouiller les autres étages, mais je sais pas s'il y a grand-chose. Enfin, bon. Voilà, on s'est fait passer pour des prisonniers, et maintenant on va essayer de récupérer le fragment de mana des mains d'un mec qui parle avec un accent anglais très royal, très british. Hi, could I please have a fragment of mana? Fragments of mana are no longer being distributed. Return to your area. You won't give us one? A human? These are the subjects needed for the Crucius crystal research. High X-Sphere research? I see. Now that you mention it, I've heard that research involving humans were being conducted. Yes, exactly. And we require a fragment of mana for that. Understood. Then please show me your identification. Do we need that? Of course. Lord Kratos. We need a fragment of mana for the ritual of the Chosen. I've sent a courier over to pick it up. Understood. Yeah, that. That's us. Are you saying you're Lord Kratos' couriers? Yeah. Silence, human. We're with Kratos. But just a moment ago, you said you were going to use it for high X-Sphere research. That's right. And it just so happens that it's also needed in the ritual, so we came to retrieve it. Please hurry. But without identification. Besides, you seem to be of the Desaian class, and have humans among you. While you're complaining about these little nitpicky details, you're keeping Yggdrasil waiting. Do you want to take him off? That's right. Lord Yggdrasil is scary if you cross him. All right. Make sure you get it to them. Comme je le disais dans une précédente vidéo, tout est calculé. Hein. Comme par hasard, Kratos y demande le truc exactement au moment où le groupe vient de rentrer. Enfin voilà, quoi, comme par hasard. Bon, il y a un téléporteur là-bas, donc on ferait bien d'y aller. C'est un putain de transporteur géant, ça c'est de la balle. Bon allez, on y va. Alors attention, nous allons marcher sur quelque chose qui va être un élément clé du jeu. Attention, 3, 2, 1... Nous marchons sur quelque chose qui est l'élément clé du jeu. Mais je n'en dis pas plus. Allez, merde, on a besoin de l'identification encore. Oh là là, mais comment va-t-on faire pour retourner au sol? Surtout qu'en plus, ce téléporteur, je me souviens plus exactement où il va. Enfin, si, je m'en souviens, mais je vais pas spoiler, mais... voilà, quoi, c'est bizarre, il retourne pas sur Terre directement, le truc. Enfin, sur Terre, façon de parler. Sur TCA... Ouais, sur TCA, là. Ou Sylvaran, parce que la tour, c'est la même. Bon, alors. Vous allez rechercher des informations. Vous allez aller sur la droite. Pas là, encore. Voilà, sur l'espèce de borne d'arcade, là. Bon, allez, on essaye. C'est parti. Bon, alors, on va nous demander des infos sur Deriscarlan, un champ de force, nanana, l'épée éternelle. Si le champ de force est annulé, Deriscarlan ne sera plus sur l'influence, il va errer dans l'espace. D'accord. Projet de prolongation du monde, séparé en deux pour que l'écoulement de mana, nanana. L'utilisation des esprits originels permet d'empêcher le monde de prospérer. La prospérité mène au développement possible de la magie technologique qui cause de guerres inutiles. Ah, ça, c'est pas mal, quand même. Ça donne à réfléchir. L'épée éternelle. Alors, l'épée éternelle a été donnée à Yggdrasil quand il a conclu le pacte avec Origine. Pouvoir immense est capable de contrôler le temps et l'espace. Le seigneur Yggdrasil a pu préparer. Nanana. Si l'épée venait à disparaître, Yggdrasil n'aurait presque plus de pouvoir. Donc, ça c'est pas mal. Bon, allez, on s'en va maintenant. Allez, 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 allez. Vite avant qu'ils nous retrouvent, les autres là. Donc, si vous voulez partir, vous devez passer par là, à gauche. Ensuite, vous allez descendre et vous allez tomber sur une sorte de plateforme mouvante. Je sais pas comment on peut appeler ça.
Ouais, un transporteur, quoi. Et vous allez à droite. C'est parti! Bon, allez. C'est parti. Bon, c'est les sites de secours, donc il y a pas grand-chose à faire d'autre. Et merde, bon, bah c'est bon, on s'est fait griller. Bon, les trois, ils se ressemblent tous. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on se dépêche, là. Allez, vite! Ça, c'est génial, quand même. Tout le monde a disparu, on n'a même pas entendu le bruit du téléporteur. Bon! C'est pas tout ça, mais c'est la fin de cette vidéo, puisque là, il y a un donjon qui suit, donc voilà, je préfère couper. Et on se retrouvera très vite pour la suite de Jouons à Tales of Symphonia. Allez, salut !